Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Si oui, vous avez un pod sur le lit. Est-ce que vous pourriez le faire sonner, s'il vous plaît? Vous n'êtes pas descendu tout à l'heure, vous êtes resté à l'étage. Maintenant, je vous invite à venir près des appareils et les faire sonner. Regardez, c'est pas compliqué, vous l'avez fait tantôt. Voilà. Vous voulez toujours monter à l'étage? Eh bien, maintenant, tout le monde est là. Profitez, profitez-en. Si vous voulez, si vous avez un message à nous faire passer, il y a le dictaphone, le micro. Vous pouvez parler dans les micros, de la caméra aussi. N'hésitez pas. Ou le cadeau, touchez-le. Il y a quelque chose à l'étage. Ça fait turc. Bon, c'est sûr que ça fait du bruit. Ouais. N'hésitez pas, vous avez le cadeau. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Est-ce que vous êtes à l'étage maintenant? En mode, vous seriez redescendu. Pourriez-vous toucher une antenne? S'il vous plaît. Regardez, on va le mettre au milieu. Voilà. Touchez l'antenne. Pour montrer que vous êtes là. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est indésirable ici? Si oui, touchez l'antenne. Ou le petit boîtier que je t'ai déjà dans la main. S'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? Répondez, s'il vous plaît. C'est vous qui avez griffé Laurent tout à l'heure. Est-ce que c'est vous? Pourriez-vous répondre, s'il vous plaît? On n'est pas venu ici pour rien. Vous savez bien pourquoi est-ce qu'on est présent ici aujourd'hui. C'est pour vous faire partir d'ici. Vous n'avez rien à faire ici. Du moins, vous n'avez plus rien à faire ici. Que vous soyez un démon ou que vous soyez une entité ou quoi, vous n'avez pas à faire du mal aux gens qui habitent ici. Ici, c'est le monde des vivants. Vous, vous êtes morts. Vous devez partir et quitter ces lieux. Si vous ne voulez pas partir, il n'y a pas de souci. On vous fera partir. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Maintenant, si vous voulez rentrer en contact avec nous, n'hésitez pas. Rentrez en contact avec nous. Dites-nous votre nom. Pourquoi vous agissez comme ça? Répondez, faites sonner le pod. Vous l'avez fait tantôt sur le WC. Vous l'avez fait. Vous étiez au-dessus, on est monté, maintenant on est là. Réagissez, touchez le petit boîtier que j'ai dans la main. C'est inoffensif. Nous, on n'est pas venu ici pour vous faire du mal, contrairement à vous. Maintenant, est-ce que vous faites partie de la famille des propriétaires de ces lieux? Si oui, répondez à nos questions, touchez l'antenne,
On voudrait bien des réponses. On a beaucoup de questions. On ne comprend pas pourquoi vous agissez de cette sorte. On voudrait bien savoir. Dites-nous, parlez. C'est facile de faire du mal aux gens. C'est très facile. Donc, si c'est facile pour vous de faire du mal, ça doit être facile pour vous de rentrer en contact avec nous. Vous l'avez fait tantôt. Vous voulez toujours aller dans la chambre. Bon, on y est maintenant dans la chambre. On y est. Alors, n'hésitez pas. Répondez. Parlez. Dites-nous au moins qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous voulez. On est là pour vous ce soir. Ou un message. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'indésirable dans la chambre? Nous, personnellement, on ne vous vaut pas de mal. Loin de là. C'est vous qui en faites du mal. On voudrait bien savoir pourquoi. Est-ce que vous êtes... est-ce que vous êtes de la famille des gens qui vivent ici, dans l'appartement? N'hésitez pas, répondez. Les personnes qui vivent ici ne veulent qu'une chose, vivre en paix, qu'ils soient bien chez eux. Et vous, vous faites tout le contraire. Vous faites le brin ici. Pour quelle raison? Par passion? C'est facile de griffer les gens. C'est facile de griffer des manteaux. C'est facile de faire du mal. Mais comme je peux voir, vous êtes moins que rien. Vous êtes moins que rien. Vous n'osez même pas vous présenter. Vous n'osez même plus toucher l'antenne du pod, le petit appareil qui se trouve sur le lit. C'est facile de l'allumer pendant que nous on est dans le fond. Maintenant, vous êtes peut-être parti dans le fond, vu qu'on est au-dessus. Vous aimez bien vous foutre de la gueule du monde, apparemment. On ne connaît pas le mot. Non? Une petite séance de spirit box, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, dans le fond. Dans le fond de... Elle est restée sur la table. Attends, je cherche pas. Je vais chercher. C'est la 11, hein. Ouais, la 7. Hein. Ouais. Eh ben, on va essayer de rentrer en contact avec vous en faisant une petite séance de spirit box, en espérant que vous allez quand même nous répondre. C'est la moindre des choses. Puis désolé, je vais être grossier. Vous n'avez pas de couilles au cul. Je suis désolé de vous dire ça, mais vous n'avez pas de couilles au cul. C'est malheureux d'en arriver là.
À la limite, que vous restiez ici. Ce n'est pas encore trop grave. Mais vivez dans votre monde. N'ennuyez pas les vivants. Ça ne sert à rien. À rien du tout. Qu'à une chose. À vous obliger à quitter ces lieux. On ne demande pas grand-chose. Les locataires ne demandent pas grand-chose. Avoir la paix, faire la paix, faire la guerre, ça ne sert à rien du tout. Si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire jusque maintenant, venez près de l'antenne du pod. Faites ça, uniquement ça. C'est tout. On ne vous demande pas grand-chose. De l'énergie, vous en avez pompé assez dans les caméras et dans les piles. Donc ne venez pas me dire que vous n'avez plus d'énergie. C'est un mensonge. Que vous soyez entité ou démon, réfléchissez à ce que je viens de dire. Touchez l'antenne ou le petit boîtier que je t'ai déjà dans la main. Faites-le, touchez-le. Il va s'allumer. C'est tout. Maintenant, on va essayer de rentrer en contact avec vous. Avec la Spirit Box. Ok? C'est votre dernière chance. Parce qu'après, on va commencer à purifier l'appartement. Et prier pour vous faire partir. Ces gens-là, ils en ont marre pour finir. Ce n'est plus vivable pour eux. C'est facile de s'en prendre à une femme, mais prenez-en vous à un homme. Là, c'est moins facile. Maintenant, j'espère que vous allez réfléchir à deux fois. Griffer quelqu'un aussi, c'est très facile. Moi aussi, je sais griffer quelqu'un. On fait la séance de Spiritbox. Ça va que... Oui. Moi, je te dis, j'ai fait des petites photos vite fait, mais. Il n'y a rien. Pas bien, non. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Par contre, dans le noir. Ben, tu peux relever un petit peu si tu veux. Tu veux que j'arrive? Ah, ouais. Ah, non, mais on peut rester comme ça. Hein. Bah, oui. Ouais, maintenant. C'est bien ça. Ah, ça fait exprès, c'est une lampe. Jackie? Ouais, Michel! Non, voilà, pour moi, il marche. Next! 1h30, ça va pas toucher. Aïe, aïe, aïe. J'ai retiré mes pieds parce qu'ils ont tendance à. Je sais pas comment il marche par contre. Mets-toi, Jonathan. Mets-le en normal, fermez-le. Ah, bon, maintenant, en normal. Enfin, comme il veut, moi j'ai simplement ouvert et j'appuie sur les deux côtés du truc. Tu sais ce qu'on peut tester? On peut le remettre dans les toilettes pour voir si. Ouais. Mais sans le. Sans le truc. Sans. Ouais. Tu veux faire ça tout seul? Ah ouais. Ouais. Comment c'est ça quand il s'éteint, ça? C'est drôle quand même parce que t'entends quand il parle. Ouais. T'enlèves la serviette là, pour voir si c'est à cause de. Regarde bien si le couvercle est fermé. Si moi je vais le provoquer. Ah, on va le provoquer parce qu'il nous gonfle. C'est dingue. Hein. Ouais. Tu veux le provoquer? Ah, c'est pas bien. C'est clair. Allez-y, maintenant parlez. C'est tout important.
Est-ce que vous êtes avec nous? Je parle pas trop fort pour les voisins du dessus, hein. Je parle pas trop fort pour les voisins du dessus. Non. Sans parler, c'est tout. Ça, je me permets. Vous pouvez vous asseoir, là. Je vais me changer de l'enfant. Tu vas voir, tu vas entendre des mots, là. J'ai faim. Ouais. T'es avec nous, là. Je vais vous asseoir. Il y a quelqu'un? Quand je t'ai parlé, comme tout à l'heure, c'est loin, tu vois, tu peux aussi... T'as entendu? Ouais. T'as entendu? Ouais. T'as entendu? Ouais. T'as entendu? Ouais. Ici, c'est peut-être la radio, là. Normalement, hein. Tu nous entends? C'est qui pour t'en prendre à Myriam, ma compagne? T'étais plus malin hier soir, hein? Avant-hier soir. T'avais plus le malin, hein? Et réponds-moi, c'était poli. À moins que tu sois à moins que rien. Pourquoi tu t'attaques pas plutôt aux hommes? Dis ton nom. Là, t'es un enfoiré parce que t'es là, t'es avec nous. C'est vrai? T'es avec nous. Ouais. Maintenant, il est là. Viens. Il est parlé. Là. Ah, là, putain, ouais. Il est près de toi. Ah, ouais. Il est là. Ne me fais pas peur. Allez, parle. Allez, parle maintenant si t'es un homme. T'as voulu qu'on vienne, on est là. Explique-nous alors. C'est un petit mot. Ouais, c'est le bouillement là. C'est le bouillement là. Ouais, c'est un branleur. Ouais, c'est un branleur. Il nous casse les couilles pour qu'on vienne et qu'on est là, il nous passe la gueule. Quel couillon mec sans barbustin, c'est sûr que c'est toi. Fais-toi connaître. T'as des couilles. On ne te lâchera pas, hein. On ne te lâchera pas. C'est normal. C'est toi, Augustin. Toi, provoque-le parce qu'il va tomber sur toi. Mmh. Un faible. Ouais. Et alors, t'es un faible de te droguer comme ça? De t'être drogué comme ça, d'avoir rendu la vie impossible à Myriam? Hein? Hier, moi, j'ai arrêté. Pour elle, la boisson. Est-ce qu'il y a un coup, moi? Et je la frappe pas. Tu te casses pas le nez. Toi, oui.
Toi, si je t'avais en face de moi. Ah oui, il paraît que t'avais une grande gueule quand t'avais bu. Hein? Ou quand t'étais drogué. Alors manifeste-toi. Ah, tu fais pas peur, hein? T'impressionnes personne ici. Hein? T'attaques aux personnes les plus faibles? Oh là là là, petit gamin. Manifeste-toi, parle. Mais il est dans ma chambre. Ils sont bons. Couillon ou pas? Oui, et ils sont deux. Je te laisse, il y en a trois, je crois. Ouais, mais deux, mais ok, tu gueule. Oui, c'est fou ça. Une pièce de 4 mètres carrés. Wow. Vous êtes deux. C'est ça, personne. Ouais. Est-ce qu'il y a une femme parmi nous? Avec nous. Est-ce qu'il y a une femme avec? C'est la radio, ça. C'est la radio? C'est bien. Il y a quand même trois jeunes. Hein. Il y a tellement de boutons. Et des radios, il y en a pas beaucoup qui sont perfectionnés. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un ici. Manifestez-vous. Quel est votre nom? Je veux un nom. Je veux un nom. Quel est ton nom? Ouais, j'entends ça aussi. Pourrais-tu reconfirmer ton nom? Vous êtes combien dans la pièce? Pourquoi vous faites du mal aux gens comme ça? Pourquoi vous faites du mal aux gens? Je voudrais des réponses maintenant, merci. Thank you.
parle. Manifestez-vous, s'il vous plaît. C'est vraiment l'enculé, putain. Il m'a bouffé la batterie, tu comprends? Il m'a bouffé la batterie. Aïe. Oui? Les amis, je vous explique. On était en train de faire une séance de Spirit Box. Les piles étaient neuves. Du moins, on a fait deux enquêtes. Regardez. Regardez. Les piles sont mortes. D'accord. Bon, ça va pas utiliser longtemps. Hein. Mais on va voir quelque chose avant. Alors, moi, je te vois couper. Tu te rends compte? C'est quoi comme pile? Une pile 9 volts. J'en ai, hein. Ça m'a pu. Il m'en reste une, je crois. Maman, c'est Myriam, tu es là? Aidez-moi, oui. Ouais. Oui, c'est moi. Oui, maman. Aidez-moi. Aidez-moi, je sais. C'est maman? Ah. Maman, tu es là? Ah oui, ça va. C'est ta fille Myriam, je t'aime. Tu es là, maman? En 14 ans, mon enfant, c'est jeune, hein? Non, mais c'est pas arrivé. On entend rien, c'est pas du tout. Je suis là. Tu es là, maman? Oui, ouais, j'entends, ouais. J'ai entendu, oui. Et deux fois, oui, Annette. Oui. Ouais, t'es en train de suivre, c'est toujours là. Maman, il y a quelqu'un qui me veut du mal dans cette maison. Maman? Il y a quelqu'un qui me veut du mal dans cette maison. Maman, tu t'appelles Jocelyne? Oui. Et moi, je m'appelle comment? Vers la cantine, j'ai la gorge qui se serre. Vous entendez? J'ai la gorge qui se serre. C'est mon frère
qui a eu cancer de l'œuf. Tu es là, maman? C'est pas moi. C'est pas moi, c'est moi que j'ai entendu à cette histoire. C'est qui veut me faire du mal? Je t'aime, maman. Tu m'aimes? Écoute. Oui, tu dois me dire quelque chose, maman. Là, c'est pour lui, je peux pas. Hein. Fabrice, c'est toi qui es là. C'est ça, Fabrice, qui m'a dit oui. Fabrice, tu es là? Oui, oui. C'est la grosse boîte qui ouais, c'est la même boîte. Tu vas bien? Tu es bien là-haut? On y va? On y va? On y va, ouais. Fabrice, tu te souviens quand on s'amusait à deux? Comment? Fabrice, ta femme elle s'appelle comment? Comment? Ouais. Comment? Claudine. Oui, c'est ça. Les enfants t'aiment, hein? Et Claudine aussi. Et moi aussi. Tu sais que tu me manques, Fabrice. Tu me manques. Tu peux le refaire s'il te plaît. Fabrice, c'est Fabrice? Je sais pas. C'est qui t'a frappé dans la garde-robe? Qui? Dis-moi ton nom. Le roi il est partout. Il est pas bien, il est pas bien. Comme un héros, c'est là. Ouais. Ah, c'est vraiment là. Tu es là, maman? Tu
Tu me protèges? Vous me protégez, papa et toi? Est-ce que vous avez un message à faire passer? Maman, tu me protèges? Maman, tu me protèges? Tu m'as entendu, maman? Tu me protèges? C'est Myriam. Je t'aime, mais est-ce que, avant de partir, est-ce que tu me protèges? Dis-le-moi, maman, je dois savoir, tu me protèges? Oui. Merci maman, je t'aime, à plus tard. Au revoir maman. Au revoir Fabrice, au revoir maman, au revoir papa. Je t'aime. Mais c'était mon frère, il était là. Je sais pas, mais... Non, il avait un trou à la gorge. Non, mais... Sur la glace de robe, ça commence à... Je vais partir. Viens, ça rigole. Ouais, c'est à force en but. C'est juste à vous. Moi j'ai fait une vidéo avant la parce qu'on a dit qu'on allait faire des photos. Ouais, moi j'ai fait une batterie avec tant pis. Au revoir maman. J'ai une batterie à côté déjà. Là ton appareil photo. Elle est finie? Ouais. D'accord, bah lui. Je t'aime. C'est une photo. A plus tard. Au revoir. Au revoir, ouais, non. Ah ouais, non, il en fait une. Au revoir. Ah, il y a une batterie. Et ça, j'ai une batterie, j'ai pas envie de... Au revoir. Tu as fait une photo de l'intérieur? Voilà. J'en ai fait une, mais en fait, j'ai pas envie. Ah, on est venu m'apparaître en fait. Bon. Non, ça va, mais les gars. Là, pour... c'est là qu'on en est venu. Bon. Je prends mal la tête. J'ai... Ouais, mais t'as enlevé la... Mais on fait la caméra de... C'est parti, je ne voulais pas dire à la caméra. Je fais le même. Je veux ouvrir toutes les portes. Le safe encore, c'est... Non, là, c'est bon, merci Jean. Oui, ça va être ça. Je l'ouvre. Ben essaye, va. Attends, j'ai ouvert les tiroirs, les slips de Jean. C'est ça qu'ils ont fait. C'est ça. Je fais pas que des slips. Et l'autre porte, on ne sait pas comment j'ai parlé de l'ouvrir. Oh, si, attends, on va mettre en plus. Oh, oui, on va mettre ça dedans. Voilà. Je pense que c'est une armoire, c'est où? Elle est belle en plus, comme j'aime bien. T'as vu, petit con? Ah, il y a des petits cons. À un moment donné. Mais ça, c'est à tout. Mais on veut, ouais. Oh, pardon. Ça, c'est lequel? Ça, c'est la fissure. C'est qu'un feu. Il a le tien dans la pâte. C'est le tien, là. Le même, sauf que j'ai mis dans ma pâte. C'est des petits chalets, c'est comment? C'est comment? Bah c'est celui-là, c'est celui-là. C'est un peu qui va. Ouais. Non, tu vas voir, non. Non. J'ai senti que c'est les fois. Arrête à vous. Tu vas voir, non. Non, non, Laurent, tu vas voir. On va laisser un petit pas sur l'autre. Comme le dos. Je vais vous enlever le matériel. Bon, vraiment, je vais le quitter. Ah, c'est bon. Là, parce
reste pendant que vous faites ça. J'arrête la solution. Ouais, ouais, on peut arrêter. Merci, hein. Merci. Et lui aussi, on peut l'allumer. Ouais. Ouais, tu peux tout allumer. Alors, je t'en mets. Parce que encore, on fout pas le feu. Qu'est-ce que je fais pendant que tu fous, fais ça? Je laisse le dictaphone ou quoi? Ouais, tu peux. Ouais. Comme ça fume bien. T'as la pièce à refumer. C'est garde robe, il faut la dégager. Je suis bien. Ouais. Ah ouais, il y a un truc avec cette merde. Ouais, bah, il a ouvert, hein, laisse tomber. Moi, je voulais faire votre rituel. Ouais. Je vais tout doucement. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous comprenez le dictaphone ? Ouais. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Dieu, notre Créateur. S'il vous plaît, Saint-Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la perfidie, les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son emprise, nous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, refoulez en enfer par la vertu divine, Satan et les autres esprits malins. Hier dans ce monde et pour la perte de l'âme. Amen. Saint Michel, Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la perfidie, contre les embûches du démon. Que Dieu exerce sur vous son emprise. Nous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, refoulez en enfer par la vertu divine, Satan et les autres esprits malins qui errent dans ce monde pour la perte de l'âme. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ordonne à tous les esprits malfaisants, j'ordonne à tous les esprits présents ici qui veulent du mal à cette famille de quitter la maison. Quittez cette pièce, quittez la maison. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Aucun droit. Vous êtes dans votre monde, restez dans votre monde. Quittez cette maison. Sortez par cette porte. Déjà, sortez par ici. Suivez-nous, sortez par là. Suivez la fumée. Et sortez d'ici. Il est hors de question que vous restiez ici. Embêtez ces gens, ces pauvres gens. Hors de question, par Saint-Michel Archange, on demande d'être défendu dans notre combat. Soyez notre secours contre la perfidie, contre les embûches du démon. Que Dieu exerce sur vous son emprise, nous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, on vous demande de refouler en enfer par la vertu de l'homme, Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde de la perte des âmes, pour la perte des âmes. Sortez, on vous le demande, on vous l'ordonne, sortez d'ici. Vous n'avez pas le droit de vous trouver ici. Vous n'avez aucun droit. Vous êtes dans votre monde, retournez dans votre monde. Vous n'avez rien à faire ici. Retournez dans votre monde, sortez de cette pièce. Vous n'avez rien à faire ici. Par Dieu, le Christ notre Seigneur, Saint Michel, Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la perfidie, contre les embûches du démon. Que Dieu exerce sur vous son emprise. Nous vous le demandons en suppliant. Nous lui demandons en suppliant. Vous, prince de la milice céleste, refoulez en enfer. Par la vertu divine, Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Nous allons passer à l'autre pièce. Suivez-nous. Ne restez pas là. Vous pouvez pas être là. Vous ne pouvez plus rester ici. Suivez-nous. C'est pas chez vous ici. Suivez-nous.
sortez de là. Vous n'avez rien à faire là. Au nom du Christ notre Seigneur, sors d'ici. Les mauvaises âmes, les mauvaises personnes, les mauvaises âmes, les mauvaises entités, quittez cette pièce. Sortez, allez plus bas. Allez dans la pièce en bas. Au nom du Christ, notre Seigneur, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la perfidie et les embûches du démon. Et que Dieu exerce sur lui son emprise. Nous le demandons en suppliant et en vous, prince de la milice céleste, refoulant l'enfer par la vertu divine, Satan et les autres esprits malins, qui errent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Sortez d'ici, descendez. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Descendez. Suivez-nous. Si vous êtes encore là, suivez-nous. Suivez-nous. Sur lui son empire, nous le demandons en suppliant, et vous, prince de la milice céleste, refoulez en enfer par la vertu divine Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sortez d'ici. Cette demeure, vous n'avez rien à faire ici. Sortez par cette fenêtre, suivez la fumée, allez vers la fumée, suivez la fumée. Et sortez de cette maison, vous n'avez rien à faire ici. Vous n'êtes pas les bienvenus, vous n'êtes pas chez vous, vous n'avez absolument rien à faire ici. Vous avez fait assez de mal à ces gens-là, maintenant partez. C'est un ordre, c'est pas une demande, c'est un ordre. Nous vous ordonnons de sortir d'ici. Vous n'avez rien à faire ici. Vous êtes mort. Vous devez partir, aller dans la lumière. Toi, Laurent. Ouais, ça va mieux. Bon, j'étais serré encore en moi. Ah oui, mais ta garde-robe, il faut la faire dégager. C'est toujours, bah, ta garde-robe. Je m'engueule pas, je peux rien. Je sens quelqu'un à la garde-robe, il y a un vieil homme. C'est vrai ou pas vrai? Ah, je vais te bouler, moi. Ah si, je te disais qu'il y avait un vieil homme. Ça, tu peux laisser un boulet. Je sais pas si c'est fabriqué, ça, dedans. Ça, tu peux laisser faire. Elle dégage, la sœur. Voilà, elle va dégager. Moi, je vais te voir, attends déjà que t'as touché, sinon tes slippies vont être par terre. Voilà, Samir. Après une enquête avec beaucoup de... Avec beaucoup d'analyses à faire, ou bien de purifier l'appartement. Donc maintenant, ça sera à voir si ça a bien fonctionné. Et on vous tient au courant. Je vous remercie, les amis. Ciao, ciao.